Jean Thierry. FIM FM. Talk Politique, le curseur sur l'actualité et la gouvernance politique en Guinée. Talk Politique, les faits politiques du jour, vus et décryptés par nos chroniqueurs et commentés par les auditeurs. Mamadou Aliou Bangoura. Merci de votre fidélité, FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques, toutes mouvances confondues. Nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. La une politique, 24 mois, c'est le délai que le FNDC propose pour la durée de la transition en Guinée. Cette organisation dont les membres ont lutté contre le troisième mandat de Alpha Condé précise que ce délai s'étend du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2023. C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi les membres au cours d'une conférence de presse. Le chronogramme proposé par le FNDC est réparti en trois étapes qui sont les activités courantes, les réformes institutionnelles et le retour à l'ordre constitutionnel. Alors avec les talkers, nous allons décortiquer le contenu de ce chronogramme. L'autre sujet de cette émission de ce soir, l'intersyndicale FSPE, SNE, SLEG a décidé de déclencher une grève générale et illimitée à partir de ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Que réclament plutôt ces enseignants? On donnera la parole à M. Salifou Camara, il est secrétaire général de la FSPE. Et puis après Yakaria Koulibaly, ancien ministre des hydrocarbures, c'est au tour de Ismaël Djoubaté de bénéficier d'une liberté conditionnelle placée sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Depuis le 22 février, l'ancien ministre du budget a mis en gage un bien immobilier dont la valeur est estimée à 5 milliards de francs guinéens. Pendant ce temps, l'ancien ministre de la sécurité d'Amantan, Albert Camara, et l'ancien ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, Ibrahim Kourouma, ont été conduits en prison après avoir été inculpé. Quant à Mamadi Camara, ancien ministre de l'économie et des finances, il a été placé sous contrôle judiciaire. Tous les trois ont été inculpés pour présumé détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. On en parle également dans cette émission. Notre invité dans À bâton rompu est M. Idriss Chérif. Il est ancien ministre de la communication et président du parti UCG. Avec lui, nous allons aborder les sujets brûlants de l'heure. Tout à l'heure, avec l'équipe, on va aborder tous ces sujets. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Avec moi dans cette émission, Kernon Souleyman Diallo. Bonsoir à Kernon. Bonsoir à Liu Bangoura, bonsoir à tous. Le mois de Ramadan, bien, bientôt, hein, ça va finir. Alors, bonsoir à vous, Emmanuel Milimolo. Bonsoir à lui et bonsoir à tous. Du côté de la technique, nous avons Mamadou Touré et Ibrahim Assi. Là, c'est parti, on va commencer, cher talker, avec ce sujet hein, qui, en tout cas, défrait la chronique. C'est d'abord la libération de Ismaël Djoubaté et puis... La mise sous mandat de dépôt de monsieur Damantan Albert Camara et Ibrahim Kourouma. Apparemment, Emmanuel, on va pas en finir avec en tout cas le va-et-vient entre la prison et la maison. Et ben c'est comme ça que vont aussi les procédures judiciaires. Il faut pas trop les trouver aussi extraordinaires. Après audition, c'est possible qu'on rentre à la maison ou qu'on continue en prison. C'est généralement la suite, en tout cas, ce sont les deux portes après les auditions, les interrogatoires. C'est aujourd'hui ce qui a été le cas finalement pour Damantan Camara et Ibrahim Kourouma, qui ont quand même, il faut le dire, passé plusieurs jours d'audition à la Direction centrale des investigations judiciaires. Et ils sont souvent rentrés à la maison, plusieurs fois d'ailleurs, et même à la CRIEF, ce n'était pas leur premier rendez-vous. Ils y étaient aujourd'hui pour la deuxième fois pour être entendus par un juge d'instruction, qui a donc finalement décidé de leur décerner un mandat de dépôt. On peut donc dire tout simplement que c'est l'une des nombreuses voies, ou plutôt l'une des deux voies de sortie qui finalement a été choisie après avoir été entendue, ensuite après la chambre d'instruction. Maintenant, il faut peut-être qu'on s'interroge sur
le type de procédure qui a été enclenchée aussi contre eux, est-ce que c'est une procédure en flagrance qui a été décidée ou bien est-ce que c'est... bon, évidemment, on peut présumer forcément, que ce n'est pas, c'est que ce n'est pas une procédure en flagrance parce qu'ils ont été devant un juge d'instruction. Maintenant, le mandat de dépôt, il intervient dans quel contexte et pour quel fait précis? On ne connaît pas encore les détails du dossier. Ce qui est sûr, c'est que... ils vont rejoindre. Ils vont rejoindre. Ils vont aller en prison pour l'instant. Mais l'autre sujet, c'est que Ismaël Diabaté, après plusieurs, en tout cas tentatives, finalement, il va rentrer. Mais avec quel montant? 5 milliards pour pouvoir bénéficier de cette liberté? Non, mais lui, c'était attendu pratiquement. On savait qu'il n'y avait plus qu'une question de temps, le temps juste de faire la contre-expertise de l'immeuble qui a été présenté justement comme l'équivalent de la caution. Le procureur voulait s'assurer que l'immeuble avait justement la valeur de la caution réclamée. Et il fallait s'y attendre parce que le principe était déjà acquis. D'accord. Non seulement... souvenez-vous, quand le procureur Ali Touré est revenu sur son cas ici, il a dit qu'il n'était pas fondamentalement opposé à sa mise en liberté provisoire, mais que la procédure n'a pas été respectée. Et c'est cette procédure qu'il a attaquée devant la Cour suprême. La Cour suprême l'a confirmé. Maintenant, le détail était lié maintenant à la contre-expertise de la valeur vénale de l'immeuble qui devait justement constituer, représenter la caution. Donc, ce n'était plus qu'une question de temps. Et je pense que finalement, le détail a été réglé. Donc, il rentre à la maison et... C'est une bonne chose pour lui, hein, pour surtout sa famille. Alors, Kiano Souleymane, on n'en finit pas, en tout cas avec les dossiers, hein, votre lecture par rapport à cette situation liée à Damantan et Ibrahim Kourouma qui aujourd'hui vont passer la nuit en prison. Ben écoutez, ça me donne plutôt à réfléchir parce que, vous savez, dans cette vie, c'est... C'est difficile de prévoir les choses, surtout dans ce pays. Il y a moins d'une année, pratiquement, c'est les Damantan qui décidaient presque de la vie et de la mort de certains détenus dans ce pays. Aujourd'hui, ce sont eux qui se retrouvent en détention. Donc, c'est une leçon de vie, vous voulez dire. En principe, mais mon inquiétude, c'est que dans ce pays, vous avez l'impression que les gens ne tirent jamais de leçon. Ouais. C'est-à-dire, une fois au pouvoir, vous oubliez tout ce que vous avez vécu auparavant. Vous pensez que ce qui est arrivé ne peut arriver qu'aux autres et que vous serez toujours au-dessus des... Ça m'inquiète. Ben vous pensez qu'aujourd'hui, ceux qui gèrent ne voient pas ce qui se passe, ne peuvent pas éviter cela? En tout cas, si on s'en tient à ce qui s'est passé jusqu'au gouvernement déchu, jusqu'au pouvoir déchu, vous avez l'impression que c'est cela. C'est-à-dire, quand on est aux affaires, on se croit tout permis, on pense être intouchable, et c'est à peine si on n'a pas tendance à se déifier. Alors... si vous voyez tout cela s'écrouler du jour au lendemain et pratiquement les rôles inversés, c'est-à-dire les gens qui traquaient hier sont traqués aujourd'hui et vice-versa, je crois que ça devrait amener les Guinéens à marquer une pause, à réfléchir davantage à ce que c'est que la vie une nation, la vie de façon générale, pour espérer sortir ce pays de l'engrenage. Parce que dans cela, c'est à peine si on ne va pas vers ce que certains appellent, les déclarations qui sont faites, dans le sens de dire que tout le monde est à la fois victime et coupable dans ce pays. Et victime, Il faut qu'on en sorte. En tout cas, il faut qu'on prenne le temps de réfléchir à ce que l'on doit faire, à ce que l'on ne doit jamais faire dans sa vie et surtout... dans une nation. Bien. Maintenant, l'autre chose, c'est cette histoire de caution. Parce que quand un fonctionnaire est capable de payer une caution qui va à hauteur de 3 milliards, quand même ça,
Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Bien. J'espère qu'ils vont, en tout cas, pouvoir justifier tout ça. Alors, il faut s'attendre les jours à venir, peut-être les heures à venir, à d'autres réactions, surtout les avocats, parce que nous savons, lorsque Kassouri et compagnie ont été mis sous mandat de dépôt, nous avons vu la réaction des avocats. On ne sait pas, cette fois-ci également, si on va entendre des cris liés à la procédure. Est-ce qu'ils ne vont pas dénoncer la procédure ou autre, comme ça a été le cas pour Kassouri et compagnie? Personnellement, je n'ai pas compris justement la démarche des avocats aujourd'hui, parce que dès que la décision de mise sous mandat de dépôt de Damanta et Ibrahima Kourouma a été prise par le juge d'instruction, ces avocats avaient annoncé une conférence de presse immédiatement. Dès que les prévenus ont été embarqués pour la maison centrale, ils avaient annoncé une conférence de presse. Mais dans la foulée, justement, il y avait également l'audience concernant la mise en liberté provisoire de Ibrahima Kassouri Fofana, Mohamed Diané et Oye Guilavoudou. L'audience en référé, oui. L'audience en référé, qui avait aussi, ce qui venait aussi de prendre fin. N'oubliez pas que ce sont pratiquement les mêmes avocats. Et le juge, justement, a mis le délibéré de cette audience en référé pour mardi. Oui. Ça veut dire que la décision n'est pas tombée, mais il a programmé, puisque les débats sur le fond sont clos, mardi, la décision sera rendue. Les mêmes avocats sont venus immédiatement pour dire que finalement, ils renonçaient à la communication pour raison stratégique, entre guillemets. Ah ben oui. Pour raison stratégique. Ils ne veulent pas énerver peut-être le tribunal. Justement, sans doute, c'est ils pourquoi pas. Je dis que je ne comprends pas. Effectivement. Est-ce qu'ils n'utilisaient pas par moment les médias pour... C'est là justement où je pose la question, parce que si on met en branle la machine médiatique chaque fois qu'on perd, et que quand on pense qu'on va gagner, rétro-pédalage, effectivement. Ça semble un peu à du jeu un pied dedans, un pied dehors. Effectivement. Et moi, ça me pose à me questionner sur la sincérité des avocats par rapport aux informations qu'ils donnent aux médias. Bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. À présent, nous allons nous intéresser à cet autre sujet lié au chronogramme. Hein, après l'ANAD qui a déjà dit qu'elle avait fait sa proposition, après également la CORED, le FNDC fait sa proposition. Eh bien, elle propose pour une durée de 24 mois cette proposition. Ce chronogramme a proposé et réparti en trois étapes qui sont les activités courantes, les réformes institutionnelles et le retour à l'ordre constitutionnel. Emmanuel, je reste toujours avec vous. Je ne sais pas si vous avez un peu parcouru le contenu de ce chronogramme proposé par le FNDC. Le trouvez-vous raisonnable ou vous pensez que bien ces 24 mois ne peuvent pas tenir? Bon, raisonnable, ça dépend de là où on se situe pour justement le regarder. Parce qu'il faut avoir tous les éléments techniques pour pouvoir évaluer chacune des étapes de retour à l'ordre constitutionnel. Oui. C'est essentiellement technique, ce n'est pas politique, ce n'est pas forcément politique. Oui. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que selon le FNDC, ce chronogramme de 24 mois est rétroactif. Donc, il prend déjà en compte les mois qui sont écoulés. Il va du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2023. Près de 8 mois se sont écoulés déjà. Voilà, 8 mois perdus, mais ce chronogramme quand même tient compte de tout cela. Ça veut dire que c'est pourquoi je dis que c'est difficile de pouvoir dire est-ce qu'il est raisonnable ou pas, parce que dedans vous avez un certain nombre d'activités que le FNDC a ciblé, qu'il a essayé justement de calibrer aussi en fonction de la durée. Oui. Mais si vous demandez au ministre de l'administration du territoire qu'est-ce qu'il en pense, il aura certainement sa grille de lecture. Et si vous présentez cela à un autre expert, il aura aussi certainement sa grille de lecture. Oui. Et vous avez même l'ANAD qui va vous proposer 15 mois pour faire tout ce qui est dans ce document. Oui. Donc chacun a sa façon de voir les choses, mais je pense que pour comprendre la durée raisonnable, on a besoin, je le dis encore, on a besoin d'un cadre dans lequel chaque acteur se retrouve, mais pas que des acteurs politiques pour que chacun vienne défendre sa position politique. Ouais. Il faut qu'il y ait au sein de ce cadre des experts notamment en matière électorale, en matière de réforme institutionnelle, qui vont avoir le courage de dire, par exemple, au FNDC, non, en 3 mois, on ne peut pas faire la réforme constitutionnelle et législative. Ou pouvoir dire à l'ANAD, non, en 15 mois, on ne peut pas faire toutes les réformes et aller aux élections. Ou pouvoir dire peut-être aussi à la junte, non, en 5 ans, on n'a pas besoin de tout ce temps pour faire telle chose. Et qu'il y ait quand même, il faut, à mon avis, que des techniciens s'emparent de ce débat pour pouvoir mettre une durée sur chaque point technique qu'il faut traverser de manière
indispensable pour arriver au retour à l'ordre constitutionnel. Bien, alors cela m'amène à poser cette question à Tiano Souleymane. Est-ce qu'aujourd'hui ce cadre de concertation est l'endroit idéal et le lieu idéal pour débattre de tout, de tout ce qui est lié au chronogramme aujourd'hui, surtout avec la façon dont les choses ont évolué, le ministère qui parlait d'une rencontre mensuelle, si je ne me trompe. Est-ce que vraiment c'est un cadre idéal ou bien est-ce qu'il faut mettre en place un autre cadre de dialogue comme le demandent ces organisations, ces coalitions, notamment le FNDC et la NATO? Écoutez, en juger par les faits qui ont été enregistrés justement dans ce processus-là aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la programmation jusqu'à la tenue du lancement de ce cadre de concertation, sans oublier bien sûr le décret qui avait été pris auparavant. Maintenant, ajouter à cela les réactions parfois les plus caustiques que nous avons enregistrées, notamment au sein de la classe politique, en tout cas au niveau des regroupements et partis les plus importants en termes de représentativité. Bien sûr que ce cadre de concertation ne répond pas aux aspirations. Maintenant, c'est là que, disons, la sagesse des uns et des autres peut éventuellement nous permettre de créer un autre cadre, pourquoi pas peut-être réformer ou la modalité en tout cas de celui qui existe aujourd'hui. On est franchement pris par le temps là. Oui, et tout est question de volonté. De volonté. Si les autorités sont décidées à justement à en finir avec cette cacophonie, à permettre au pays de retrouver le minimum de sérénité pour lui permettre afin d'avancer et donc d'envisager d'entrevoir l'ordre constitutionnel. Je crois que ce n'est qu'une question de volonté. De jour au lendemain, on peut prendre un décret, on peut instruire un tel ou un tel autre responsable de la junte pour inviter les responsables politiques dans la forme qui s'y est. Afin qu'ils se rencontrent ensemble, qu'ils discutent de l'essentiel et puis qu'on nous permette de... C'est pourquoi, par rapport même au délai fixé par le FNDC. Moi, je crois que il y a rien d'extraordinaire. Enfin, 4 mois, il y a rien d'extraordinaire. Si on fait focus sur le fait de créer les voies et moyens pour permettre au pays de renouer avec l'ordre constitutionnel et donc d'évoluer normalement, je crois que c'est pas du tout c'est pas du tout perdu d'avance. Il suffit encore une fois qu'il y ait une bonne volonté. Bien. Et que les uns et les autres aient l'attitude qu'il faut dans le respect mutuel. Bien. Tu peux aller très vite. Merci beaucoup à vous, Kieran Souleymane. On va à présent parler éducation, l'intersyndicale FSPE-SNE. SLEG a décidé de déclencher une grève générale illimitée. Que réclament ses enseignants? Nous allons poser cette question à M. Salif Camara. Il est secrétaire général de la FSPE. Il est au bout de fil. Bonsoir à vous, M. Camara. Bonsoir, messieurs. Oui. Alors, vous voulez partir en grève? Vous avez annoncé cela. Et pourquoi? Merci, monsieur le journaliste. Je salue vos millions d'auditeurs. La grève, vous savez, dorénavant, nous avons déposé depuis le mois de septembre 2021 un mémorandum au gouvernement. Alors, ce mémorandum est resté qu'en Suisse. Et après ça, nous avons, n'est-ce pas, déposé une note technique des lettres toujours pour rappeler au gouvernement que nous avons les préoccupations dont le gouvernement doit prendre en compte. Alors, toujours, on n'a pas eu de suite. Et finalement, nous avons appris que le 26 mars, nous avons appris que l'intercentrale est autour de la table.
Alors, nous avons appris cela lorsqu'ils étaient dans, elles étaient dans la salle. Alors, nous avons demandé à l'inspecteur général du travail. Nous l'avons dit que vraiment, et nous apprenons que les centrales syndicales sont autour de la table. Mais vous savez bien avant que les centrales syndicales dépendent des grands intérêts nationaux. Donc, ces intérêts-là, ces intérêts nationaux, je veux dire, que les centrales syndicales dépendent, ça, c'est le salaire de base dans les conditions normales, mais tout ce qui concerne, n'est-ce pas, les autres, je veux parler des primes et tous les autres problèmes sectoriels. Monsieur Salif, on va revenir tout à l'heure avec vous. Nous allons, sommes obligés d'observer une pause. On revient juste après. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel.
FM, le fil info. Diaraï Guirassy. Bienvenue dans ce fil info. L'intersyndicale FSPE-CSNE, SLEG, a décidé de déclencher une grève générale et illimitée à partir du lundi 25 avril 2022 sur toute l'étendue du territoire. L'intersyndicale de l'éducation invite tous les enseignants à observer ce mot d'ordre de grève en restant à leur domicile. Elle invite également les parents d'élèves à garder leurs enfants à la maison. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion organisée ce jeudi par des membres de cette intersyndicale de l'éducation nationale, ici même à Conakry. Sur le continent à Madagascar, les organisations de défense des droits de l'homme se battent pour l'obtention d'un nouvel avant-projet de loi protégeant les lanceurs d'alerte dans le pays après une nouvelle année de pourparlers. Amnesty International et Transparency International Madagascar ont présenté aux autorités un nouveau texte dans ce sens. Depuis quelques mois, vous le savez, la liste des citoyens intimidés, voire emprisonnés pour leur prise de position critique vis-à-vis du gouvernement ou pour avoir dénoncé des actions malveillante sur les réseaux sociaux ne cesse de s'allonger dans le pays. Enfin, la Russie a interdit ce jeudi l'entrée sur son territoire à 29 responsables politiques, personnalités médiatiques et hommes d'affaires. Parmi ces personnalités figurent le dirigeant du géant du web Meta, Mark Zuckerberg, et la vice-présidente américaine Kamala Harris. Cette mesure vient en représailles aux sanctions prises par Washington contre Moscou pour son offensive contre l'Ukraine. C'est la fin de ce fil info. À tous, merci pour votre fidélité. À bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Vous écoutez FIM FM 95.3, nous sommes toujours dans Talk Politique. À présent, nous allons partir avec notre invité. Il s'agit de M. Idrissa Chérif, il est ancien ministre de la Communication, mais aussi président du parti UCG. Avec lui, nous allons aborder les sujets brûlants de l'heure. Avant de commencer notre interview avec notre invité, on va lire rapidement les réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Bonsoir, chers journalistes, la Mabank. Je pense que la CEDEAO, la classe politique, le FNDC, vous et moi ne pouvons tous pas demander la durée de la transition. Si ce n'était pas si important, il va falloir que le CNRD se prononce sur la durée. Le FNDC ne doit pas toujours être du côté opposé des différents régimes. Il faut qu'il soit à la prise des décisions. La Mabank, merci à vous. Une autre réaction de la part de Toulel Aloussini. Bonsoir à vous, les talkers. En lieu et place de faire un chronogramme, le FNDC devrait se rejoindre au CNRD pour faire une transition réussie. Le peuple a trop souffert. Aloussine Toulel. Un autre message de la part de Alpha Katejeba qui nous écrit le chronogramme proposé par le FNDC est le meilleur chronogramme. Il est raisonnable. La défaite du procureur Ali Touré sera la défaite de tout le peuple. Raison pour laquelle tout Guinéen soucieux d'une Guinée nouvelle devrait apporter son soutien au procureur général de la CRIEF. Le destin est inévitable pour l'homme. La moralisation de la gestion publique est bonne, mais tout en regardant également les crimes de sang aussi. C'est la réaction de Alpha KTB. Nous avons Boulokada Tourama également qui nous écrit le dernier message. Bonjour, bonsoir à vous. L'équipe, nous demandons la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé et nos cadres incarcérés injustement à la maison centrale, à la maison d'arrêt de Conakry. La junte militaire doit une chose, il est impossible de nous intimider dans ce pays. Merci à vous, chers internautes. On va à présent partir avec notre invité. Bonsoir à vous, monsieur Chérif. Bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. Le plaisir est partagé. On va parler. C'est aussi un plaisir d'être là sur votre plateau. Bien, on va parler politique.
On va commencer par le cadre de concertation, hein, parce qu'on ne dit pas dialogue, qui a été lancé depuis la semaine dernière par le président de la transition. Quelle analyse en faites-vous? Parce qu'il y a quand même des bisbilles autour de ce cadre de concertation. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et puis me prêter à toutes vos questions. Et je pense que nous avons pris part à cette concertation et qui était vraiment très riche et en faits et en mots et en tout ce qu'il fallait pour une véritable sortie de crise, de la transition et puis rentrer dans un état normal. Et j'ai pris part. Vous avez été au nom d'une coalition ou bien au nom de votre parti politique? Nous avons une coalition, coalition avec Siakabari. Ah, d'accord. Voilà, qu'on appelle CONAREP, la coalition nationale pour... Bien. Pour la défense politique. Donc nous y étions et nous avons pris part aux différents débats et nous avons vu dans la salle qu'il y a des grands partis qui n'étaient pas, et le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG et puis l'UFR. Et nous avons vu aussi au niveau de la société civile, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'absences et que mais nous avons interpellé le Premier ministre et le ministre de l'administration du territoire. Il y avait une concertation que nous sommes dit que notre porte-parole est Siakabari, le président de la coalition. Et le Kaman est monté au créneau. Il a invité le Premier ministre et le ministre de l'administration du territoire de prendre les bâtons de pèlerin pour aller à la richesse des autres. Parce que nous avons un pays ensemble et nous voulons que quelque chose n'a pas marché. Voilà pourquoi l'armée a pris le pouvoir. On ne peut pas laisser encore le pays sous tension. Parce que quand il venait, il y avait la tension. Il ne peut pas laisser le pays sous tension. Il fallait qu'ils aillent ramener tout le monde autour d'une table pour que nous puissions discuter. Et on verra mieux, on verra bien quelles sont les voies et moyens de cette sortie de crise favorable. Il ne faut pas toujours aller avec les bras de fer, mais c'est vrai. Et ce qui a été élaboré lors de cette concertation, c'était vraiment très riche. Et personne même ne s'attendait au travail bien fait que le ministre de l'administration du territoire a eu annoncé avec les 10 grands points qu'il a eu annoncés, auxquels nous avons travaillé dessus. Nous avons fait nos propositions aussi. Mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'absence de ces partis aujourd'hui qui pensent que ce cadre de concertation mis en place par les nouvelles autorités n'est pas l'endroit indiqué pour débattre de toutes ces questions soulevées? Bon, moi, je ne sais pas quel est l'endroit qu'on peut trouver. Puisque en face, c'est la mouvance présidentielle. Et je pense qu'il n'y a pas un autre cadre où on peut aller se concerter. C'est le meilleur endroit. Mais quand même, j'ai vu qu'ils ont dit qu'il faudrait que ce soit un dialogue purement politique. Effectivement. Bon, moi, je me suis dit que j'ai déjà fait une transition. Avec la supervision des médiateurs et tout en invitant des partenaires techniques et financiers pour prendre part au cadre. Bon, de toute manière, on n'est pas d'abord dans le cadre du partenaire financier. Mais d'abord, c'est des réactions politiques et puis un problème de la nation d'abord. Entre nous, il faut qu'on soit d'accord sur le cadre. Et puis après, on pourra faire appel maintenant aux oui, partenaires. Oui, on aura besoin des partenaires techniques qui peuvent aussi évaluer. Bon, oui. Nous sommes dit que moi, j'ai déjà fait une transition. J'ai une expérience de la transition. Et heureusement que j'ai participé vraiment à l'élaboration de cette transition et cette sortie de crise de la transition de 2010. Donc, nous y étions avec tous les acteurs politiques du pays, c'est-à-dire qu'il fallait voir qu'avec toutes les forces vives de la nation, c'est Rabia Toussira, pour qu'elle ait été promue au poste de président de la CNT, c'est parce qu'elle a participé. Effectivement. Monsieur le ministre, excusez-moi, la partie de la transition où justement il y avait les forces vives, y compris les Rabia Tou, vous n'étiez plus dans le jeu. Non, moi, nous avons d'abord les accords politiques de Ouagadougou ont été faits sous notre impulsion. Et c'est les accords de politique de Ouagadougou qui ont dit qu'il fallait que Dadis reste à Ouaga. D'accord. Et que ce que vous devez assurer l'intérim. Bien. Et je peux même dire que j'étais même au centre même de la prise de décision. D'accord. Parce que le travail, d'abord, je l'ai élaboré moi personnellement avec le président Compaoré et son équipe.
Bien. Et j'ai soumis ça au président, au général Sekouba Konaté. D'accord. Est-ce que monsieur le ministre... Alors, on va pas revenir non, sur non, ça. Non, non, moi j'ai envie de comprendre. On va rester dans... Attendez. On a passé le temps, on va rester C'est un passage de l'histoire de ce pays dont on a vraiment besoin de comprendre. On connaît officiellement la position que le ministre Idriss a... avaient, quand ils étaient vraiment aux affaires, quand ils avaient les choses en main, c'est-à-dire avant que l'incident malheureux n'arrive au président Dadis. Maintenant, après, dire que... Est-ce que vous aviez le choix à partir du moment où le président Dadis n'était plus ici, il était au lointain à Ouaga, est-ce que vous aviez le choix? Est-ce qu'on ne vous a pas du tout... Est-ce qu'on ne vous a pas imposé de, vous étiez obligé, en quelque sorte. Bon, d'abord, je vais lui faire comprendre que les accords politiques de Ouagadougou, ce que le côté le plus essentiel, quels sont ceux qui ont pris part à l'élaboration des accords politiques de Ouagadougou avec une application stricte sur le terrain. Donc, les accords politiques de Ouagadougou disaient quoi? Il y avait un certain nombre de points, c'était 16 points. Sur les accords politiques de Ouagadougou, donc, au niveau du CNDD, mais la société civile a pris part, puisque le président du CNT a été désigné à partir de Ouagadougou, le premier ministre a été choisi à partir de Ouagadougou, pour qu'on puisse venir, et que le gouvernement qui devait être formé, le général a été instruit sur le gouvernement qui devait former, mais c'était déjà, il fallait venir sur le terrain pour faire l'application numérique de ce qui avait été décidé. D'accord. Mais quoi qu'il en soit. Donc ceux qui ne sont pas informés, ceux qui ne sont pas informés, oui. Parce que c'est après les accords politiques de Ouagadougou que nous sommes venus à Conakry. D'accord. Et quand nous sommes venus à Conakry, c'est à l'issue de cela que le général a formé le gouvernement, le gouvernement qui était désigné parce qu'il fallait 10 membres. Il fallait 10 membres du CNT, 10 membres du CNDD et 10 membres de comment on appelle 10 membres de la classe politique. Oui, mais monsieur le ministre, les membres de la transition version Sekouba Konaté, notamment pour ce qui est de Rabiatou ou de Jean-Marie Doré, ce n'est pas à Ouagadougou qu'ils ont été choisis. Non, ils ont été choisis ici. Non, c'est que vous n'êtes pas au courant. Ils ont été choisis ici. Non, écoutez, j'étais journaliste en 2010. J'ai couvert la transition de 2010. Vous savez pourquoi? C'est ici qu'ils ont été choisis. Et tout le monde se rappelle. Tout le monde se rappelle du tiraillement qu'il y a eu pour d'abord le choix du Premier ministre. Quand l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré s'est imposé pour être à la tête du gouvernement alors qu'il était question que ce soit quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, bien, alors, c'est ici que ça s'est passé. De toute manière, moi j'étais à l'interne. D'accord. Vous étiez à l'interne, mais aujourd'hui, beaucoup pensent que cette transition a été un échec. Voilà pourquoi on s'est retrouvés là où nous sommes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour nous empêcher de retomber dans ces mêmes erreurs? Ou bien vous ne pensez pas que ça a été vraiment un échec? Bon, je pense que nous sommes dans une nouvelle. Comme je l'ai dit, le problème qui est là, c'est que nous sommes dans une concertation politique qui a été engagée et que les grands partis ne sont pas venus. D'accord. Nous avons invité le Premier ministre et le ministre de l'administration du territoire de prendre les bâtons de pèlerin et d'aller à la recherche de ceux qui ne sont pas venus et autres, y compris même le FNDC. Effectivement. Donc que tout le monde vienne sur la table de discussion, de négociation, afin que on puisse trouver une véritable sortie de crise. Ouais. Bon, même si la crise elle-même, elle n'existe pratiquement pas, mais il y a des faits qui font que la crise est là. Ouais. Donc, dans ce sens-là, il faudrait que la prochaine rencontre et que tout le monde puisse être sur cette table de discussion et que nous puissions véritablement faire une véritable discussion. Est-ce que votre coalition a pu répondre au chronogramme qui lui a été... Enfin, les 10 points essentiels qui ont été envoyés? Est-ce que vous avez pu coller un chronogramme à ce point? Effectivement, nous avons travaillé depuis que nous sommes quittés. Lors de cette rencontre de concertation, nous nous sommes retrouvés avec nos cadres des différents partis. Il y a eu des débats, des discussions et nous avons fait des recommandations au ministère de l'administration du territoire et nous avons déposé un memo depuis hier. D'accord. Monsieur le ministre, un chronogramme... Parce que le document qui vous a été envoyé, qui a été envoyé aux coalitions politiques,
ils comprenaient un certain nombre d'actions et on demandait aux acteurs politiques de donner une durée à chacune de ces actions. Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Vous avez donné une durée à chacune des actions ou bien vous êtes contenté, comme les autres coalitions, d'écrire une lettre réponse dans laquelle non, vous avez... Non, 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 nous avons répondu aux 10 points qui ont été donnés. Mm-hmm. Nous avons même compressé. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit 10 points, nous avons trouvé 6 points. Ouais. Et auquel nous avons fait des propositions dessus et nous avons envoyé. Et en gros, le temps, oui, le temps qui va, que va prendre le chronogramme, là, les bon, activités. Pour ne pas donner le secret et autres, bon, je pense qu'il n'y a pas. Y a, non, j'arrive. On est dans la vie publique là. Vous avez vu, FNDC a déjà lui, a dit 24 mois. Nous avons donné. Non, j'arrive pour ne pas trahir parce que je ne suis pas. Je n'ai pas consulté d'abord mes amis. D'accord. Avant d'être, mais je vous le dis que, bon, pour que pour la clémence des choses, nous avons été très sincères. D'accord. Nous avons donné 36 mois. Oui. Et, non, non, nous avons donné 30 mois. Nous avons donné 30 mois. Pour exécuter. Pour exécuter 30 mois à partir du 5 septembre ou à partir de maintenant? Non, nous avons à partir de maintenant, il fallait donner 30 mois et puis éponger vraiment les différentes lignes et puis maintenant trouver véritablement une véritable constitution, plomber, une constitution plombée et puis pour donner à ce pays, pour ne plus que désormais, celui qui arrive puisse toucher au moins un article à l'intérieur. Ce travail vous a pris combien de jours? Parce qu'il y a quand même, je pose cette question parce qu'il y a certaines coalitions qui ont estimé que le temps qui leur était imparti était impossible. Vous avez pu le faire en combien de jours? Bon, nous l'avons fait en 2-3 jours. Ouais. Depuis que nous sommes quittés, nous travaillons. Ils ont l'expérience de la transition. Ah ben oui, effectivement. Mais il y a surtout la volonté aussi. Ah ben oui. C'est l'expérience de la transition. Il y a l'expérience de la transition. Allez-y, Ken Sliman. Allez-y. Bien. Monsieur le ministre, vous avez contre-proposé 6 points au lieu de 10. Quels sont les 4 autres qui ne se retrouvent pas? Non, nous avons compressé au fait. On n'a pas supprimé, on a compressé. Ok. Voilà. Bien. voilà notre invité dans Talk Politique, M. Idrissa Chérif. Il est ancien ministre de la Communication, mais également président du parti UCG. Avec lui, nous survolons l'actualité sociale et politique du pays. Alors, on va parler CRIEF avant de parler. Parlons CEDEAO avant de parler CRIEF. Il y a l'ultimatum de la CEDEAO qui, bien, on attend ça dans quelques jours. Le 25. Le 25. Lundi prochain. Effectivement, que peut-on s'attendre, parce que jusqu'à présent, il y a des coalitions qui n'arrivent toujours pas à répondre convenablement au courrier du ministre de l'administration. Bon, je pense que déjà, au niveau de la salle, quand nous étions convoqués pour la concertation, la communauté internationale était présente. Et le représentant de la CEDEAO était aussi dans la salle. D'accord. La volonté avec laquelle les sujets ont été abordés, c'était à sa présence. Et dans un premier temps, je pense que pour de bonne foi, il doit d'abord informer la CEDEAO pour dire il y a un départ d'abord. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et que hier, c'était vraiment un mutisme total. Au jour d'aujourd'hui, je pense que chacun est en train de travailler et qu'il faut sortir quelque chose vraiment qui puisse, pas de vote en vite, mais quelque chose vraiment qui puisse rassurer la population. Qu'est-ce qui vous rassure, monsieur le ministre, que justement ces derniers développements émane d'une certaine sincérité, que ce n'est pas de la poudre aux yeux comme certains le redoutent parmi la classe politique. Parce qu'on dit que c'est parce qu'on a un ultimatum, il faut faire des choses à la va-vite, il n'y a pas une bonne volonté. Je me suis dit que dans un premier temps, il faut que les gens arrivent à comprendre et à faire la lecture linéaire directement de ce que nous avons vu. Quand je rentrais dans la salle, je me suis dit que rien n'était fait déjà. Et mais voir le travail que le ministère de l'administration a fourni, je me suis dit que ils ont fait un travail de fond depuis le début. D'accord. Et que ce n'est pas un travail qu'on peut le faire en une nuit ou en deux jours. Sauf que, monsieur le ministre, ce travail que vous appréciez tant, vous avez trouvé à redire, vous avez pu compresser certains aspects. Ouais. Est-ce que si vraiment le travail était d'une qualité telle que vous le prétendiez, est-ce qu'on n'aurait pas eu déjà les six points au lieu de 10? Et l'autre chose, l'ANAD avait sollicité, c'est pour décider de ces points que le ministère a lui seul a eu à énumérer, que l'ensemble des acteurs politiques se réunissent pour en trouver, pour décider quels seront les points, ou parler du chronogramme, au lieu que le ministre lui seul se met à égrener tout ça. C'est une équipe technique à travailler certainement avec le ministre, parce que je n'étais pas là-bas. Donc, j'ai appris comme tout le monde lorsqu'il disait. Et
nous aussi, nous sommes des cadres, nous sommes des professionnels en la matière et nous sommes des acteurs politiques. Donc, on a plus de 25 ans d'action politique sur le terrain. Donc, nous comprenons mieux certaines choses et que c'est comme le savant et l'ingénieur. Ouais. Donc, le savant, il peut fabriquer. L'ingénieur, il vient, il met en application ce que le savant a eu à faire. Donc, ils l'ont fait, nous, en tant que des professionnels. Et nous nous sommes dit que voilà la lecture, voilà ce que nous devons faire. D'accord. Donc, techniquement, politiquement, nous sommes très outillés pour cela. Voilà pourquoi on a eu à compresser. Alors, mais le travail, c'est un travail vraiment très bien élaboré, bien réfléchi. Parce que celui qui lit le test peut ne même pas toucher l'article. Il peut commenter, ouais, je suis d'accord. Peut-être enlever quelques virgules et puis mettre certaines choses. Mais quand même, le travail que nous avons fait un travail professionnel. On va terminer par la CRIEF. Aujourd'hui, il y a en tout cas des anciens dignitaires qui sont en difficulté avec la justice. Il y a déjà Albert Lamantan Camara et Ibrahima Kourouma qui sont partis aujourd'hui en prison. Votre réaction par rapport à ce travail? Ils rejoignent d'autres comme l'ancien Premier ministre. Comment l'ancien ministre au travail de la CRIEF? Bon, vous savez, quand on a créé la CRIEF, j'ai dit que c'est une très bonne chose. Parce qu'il y a des pays qui ont créé des ministères pour cela. Mm-hmm. Donc, pour la bonne gouvernance et puis la répression. Donc, oui, ici aussi, il y a eu un ministère des audits. Hein. Voilà, donc, mm-hmm. Oui, mais non, le ministère des audits, et puis l'autre côté, c'est on peut auditer quelqu'un et puis bon, faire le point, mais sans un ministère poursuivre de la personne. Bonne gouvernance. Ouais. Et puis de la répression, ce qui veut dire qu'il peut poursuivre directement. Bon, et nous avons vu cela et j'ai dit que souvent, il ne faut pas élever trop les tensions. Bon, nous sommes dans un pays où nous avons besoin de beaucoup plus de paix. Et les gens ont fait n'importe quoi en son temps, beaucoup de choses sont passées. Mais il faut faire la lumière sur certaines choses. Ouais. Mais il faut savoir le faire. D'accord. Quel que se passe là, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes rassuré que ça se passe bien? Non, je... Je pense que, à mon avis, vous savez, chacun fait la lecture de ce qu'il veut, mais je pense que souvent c'est nécessaire. Souvent aussi, c'est pas nécessaire parce qu'on ne peut pas attaquer tout le monde au même moment. Il faut savoir mettre un peu de temps pour pouvoir continuer parce qu'on a besoin de clair. Il y a l'essentiel, il faut aller à l'essentiel dans ce pays. D'accord. Il faut qu'on regarde un peu l'essentiel, qu'on puisse aller. L'essentiel pour vous, c'est quoi, monsieur le ministre? L'essentiel pour nous, c'est de doter ce pays de tous les instruments légaux, faire en sorte que les Guinéens se regardent en face. Il faut éviter cette citadelle de méchance entre nous et que depuis 1958 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Guinéens souffrent. Il faut penser à la souffrance des Guinéens. D'accord. Et puis, il faut se dire que nous avons besoin de quelque chose de nouveau dans ce pays, c'est de rassurer tout le monde et pour dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais aussi, il faut que les gens puissent dissocier le bien public ou bien privé. Bien, voilà, merci. C'est le côté le plus important. Merci beaucoup à vous, monsieur le ministre. C'était Idriss qui répondait à nos questions. On se donne rendez-vous demain. Okay. C'est peut-être ça, la politique.